Bienvenue à une autre capsule vidéo, On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme Lampron, dans le village de Sainte-Ursule, dans la région de Masquinongé, en Mauricie, dans le territoire du Centre Lélie, Centre d'innovation agricole. Bon, ben, bonjour Chantal, ça va bonjour. Bien? Good. Aujourd'hui, je suis content, on visite la ferme Lampron, SNC, à Sainte-Ursule. Dans le territoire de Centre d'innovation agricole, CIA. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Belle étape flambant neuve de cette année que vous avez commencé à traire les vaches dans la nouvelle étape. Peut-être me présenter avec qui t'es Chantal aujourd'hui. Certainement. On a mon beau-père Normand et on a mon conjoint Mathieu avec mon petit homme Lionel. Puis t'as d'autres enfants? Vous avez d'autres oui, enfants? Oui, on a une autre fille, Lisa Rose, qui est à la garderie aujourd'hui. Projet, donc, c'est une étape familiale. Vous avez combien de robots de traite présentement ici? Un robot de traite. Un robot de traite, OK. Fait que, donc, je l'ai dit, vous avez commencé à tirer vers quelle date? Le 3 mars de cette année. 3 mars 2021. Chantal, je vais te demander un peu, on a jasé tantôt, puis j'aimerais savoir un peu votre processus. Pourquoi c'est que vous avez décidé de vous en aller en robotique? Bien, au départ, on commençait à se dire que mon beau-père allait un jour partir à la retraite, qui était dans un avenir quand même de 2, 3, 4 ans. Donc, c'est ça. Donc, ça aurait pris deux personnes à temps plein pour le remplacer. Puis tout le monde le sait, là, trouver quelqu'un en main-d'œuvre agricole actuellement, c'est assez difficile. Puis de le garder aussi, là, il y a quand même beaucoup de rotation là-dedans. Donc, les coûts que ça a engendrés, c'est plate à dire, mais c'est à peu près le même coût annuel que nous coûte l'investissement ici. Ensuite, on a eu la réflexion, est-ce qu'on s'en va en salle de traite ou est-ce qu'on s'en va en robotique? Puis mon conjoint et moi, Mathieu, dans le fond, notre objectif à nous, c'est d'aller chercher une qualité de vie puis une flexibilité d'horaire. Puis on n'avait pas nécessairement envie de gérer et de trouver des employés agricoles. Fait qu'on s'est dit, la solution, c'est le robot de traite. Comme ça, quand les enfants vont être un peu plus vieux, ça va être Mathieu et moi, on pense être capables de faire rouler ici en robot traite, puis de peut-être avoir un employé là, pour les fins de semaine, aussi avoir des congés, mais un employé à temps partiel. Puis fait que ça a été ça un peu notre réflexion qui nous a cheminé vers le robot traite. On se disait aussi que c'est moins difficile physiquement. Mathieu a à peine 30 ans, puis il a déjà mal d'un genou, fait qu'on se disait que ça va. Puis la salle de traite, tout le monde disait c'est dans les épaules. Oui. Bien que tu aies mal, puis on se disait qu'on en a encore pour 30 ans. Là. Fait que toutes ces raisons-là nous ont fait pencher vers le robot de traite. Mathieu manifestait aussi l'envie d'être plus souvent présent à la maison avec les enfants. Fait que le robot de traite, bien, ça permet ça, parce que Mathieu, il a modifié son horaire en fonction de celle des enfants. Mon beau-père, il a gardé pas mal un peu les mêmes heures d'arrivée qu'avant, là, une petite demi-heure plus tard, là, mais pas mal, mais il part plus tôt. il arrive dans les mêmes heures, mais il part plus tôt, mais Mathieu, lui, il arrive plus tard. Il va arriver après que l'enfant soit à la garderie, puis il va rester toute l'heure du souper, là, jusqu'après les bains, puis il va retourner à l'étable vers 8h30, 9h le soir. Quand tout sera, parce que là, on n'a pas tout fini d'automatiser, là, il reste encore des choses à finaliser. Mais je pense que quand, exemple, le distributeur de litière va être fonctionnel. Oui, automatique. Je pense que dans le fond, on a fini d'habituer les vaches, les travaux au champ ont commencé. Fait qu'on a comme, je pense, pas fini de peaufiner nos affaires. Vous n'avez pas encore trouvé une routine parfaite de jour à jour après jour. C'est mon impression. OK. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer dans la routine. Puis quand tout va être fini, là, on va revoir cette routine-là. Oui. Puis je pense que moi puis Mathieu, quand ça va être juste le robot maintenant de l'hiver, je pense qu'on va être capable, là, suffisamment les deux. Là, de... Fait que mon beau-père va pas aller à Punta Cana. Donc, OK. Donc, le processus, donc, vous avez visité des fermes. Ça, c'est-tu important dans votre processus, vous pensez visiter des fermes, prendre le temps de trouver une ferme qui nous ressemble ou je sais pas, comment ça a été dans votre processus de visite? Mon beau-père en a visité quelques-unes de son côté. Moi et Mathieu, on a visité de notre côté, puis je pense qu'après ça, ça nous donnait une idée de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, puis aussi comment nous, on voulait travailler à l'intérieur de l'étable. Puis ça a été un peu ça. Puis après ça, c'était avec l'ingénieur, là. Bien, eux, en même temps, les ingénieurs, ils ont pas mal une base, puis on est parti de la base qu'ils proposent, puis on a fait des améliorations selon nos besoins. Donc,
Le processus a bien été, construction quand même. Ça s'est fait en dedans de quoi, un an peut-être, quand vous avez parti? Ah, toute la construction et tout, ben oui. OK. Un an, fait que là, après ça, d'arriver, vient le temps de... On passe, comme on l'a dit, d'une étape attachée, mais vous étiez les vos vaches allaient déjà dehors. C'est un élément important à savoir, là, vos vaches. Bien, à partir de 6 mois, les vaches vont dehors, là, au pâturage de printemps, été, automne. OK. Donc, ils étaient habitués à avancer, reculer un peu, puis... Oui, c'est ça. Vivre à travers d'autres vaches libres, là. Puis la relève, l'autre côté, est en stabilisation libre, okay, pour la plupart. OK. Donc ça, ça l'aide un peu dans la transition quand on tombe habituellement. Ah, c'est sûr qu'une vache qui n'a jamais marché puis qu'elle tombe dans une stabilisation libre, là. Défi qui manque. C'est un défi pour elle, là, mais okay, là, il est habitué de marcher. Fait que déjà, cette étape-là, on l'a passé. OK. Fait que ça, vous avez réussi à passer à travers le processus. Vous avez une belle étape, donc vous avez réussi. Bien, ça n'a pas été simple parce que dans le fond aussi, moi, je suis enceinte. OK. J'ai accouché. Dans le fond, on a fini les plans. J'ai accouché. Quand on est revenu, là, la construction a commencé. C'est commencé, oui. Là, on va parler un petit peu, vous avez dit le départ. Est-ce que ça a bien été votre départ? Vous aviez 62 vaches. Là, aujourd'hui, vous avez combien de vaches? Ouais, aujourd'hui, au robot, il y en a combien? 57. 57. Est-ce que vous faites la même quantité de lait avec votre 57 vaches qu'avec vos 62 présentement? Ou? Oui, même un peu plus en lait. Là, c'est le gras qu'on essaie de travailler, okay, au niveau de la ration pour l'améliorer. Ouais, mais okay, ça n'a pas de lien avec le robot, c'est le fait qu'on vire bio. Dans le fond, maintenant, on fait plus de kilos de lait par vache, puis en ayant moins de vaches, okay, mettons, on est parti sur 62, 63 de l'autre bord, puis ici, on roule entre 55 et 57. Puis au lieu de faire du 26, 28 kilos par vache, on fait entre 32 et 34 kilos par vache. Fait qu'on fait un peu plus de lait avec moins de vaches. OK. Ouais, c'est ça, vous changez, vous êtes en train de migrer vers Vu qu'on migre vers la certification biologique pour le lait, parce que les vaches, les champs, on l'a entamé en 2018. Là, on commence notre année de transition là, cet automne, là, c'est tout nouveau. Donc, on a dû modifier l'alimentation un petit peu, puis on a vu que le taux de gras a baissé. Parce qu'on, okay. Donc, ça, c'est à travailler. Okay. Là, on a une conseillère qui travaille dans le biologique, là, avec qui on commence à travailler ça pour... Aller chercher le maximum, ouais, quand même. Puis c'est, elle a parlé que c'était pas juste une question d'alimentation, c'est aussi dans les petits détails. Tu sais, là, elle était contente d'avoir que les vaches ont des ventilateurs, ils ont des tapis super confortables, mais il y avait quelque chose avec les barres qui n'étaient pas tout à fait bien placées. Ouais, faut peut-être changer. Là, on donne 4 repas. C'est ça, hein, c'est 4? C'est tu l'as changé, c'est 6. Là, c'est de peut-être jouer un peu aussi avec la distribution. C'est comment vous voyez ça, là, de dire j'ai mon robot, ça vous stresse-tu de l'avoir? Vous appelez tout de suite les. Je pense que ça dépend des générations. Non? Non. C'est sûr que. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai. La première journée, c'est moi qui étais en dedans avec le robot. Je pense que c'est juste une question. Ben, je sais pas si c'était une question de facilité d'acquérir l'information informatique, là. Oui, oui. Puis, dans le fond, après ça, maintenant, on a switché. Moi, je suis venue pousser, puis c'est Mathieu qui était là-dedans. Normand, lui, il s'occupait plus de continuer à gérer l'autre côté, puis quand il pouvait, il s'en venait. Il fallait qu'il continue d'avoir de la bouffe. Il y a l'autre job à faire, pareil. Les vaches, elles venaient de venir au robot qui mange. Ben, l'autre bord, pareil, ah, oui, tu sais, à gérer. Fait que ça a été ça, là, le premier. Ma belle-mère est venue aider aussi beaucoup dans le démarrage. Puis ma belle-mère, tu sais, des fois, elle venait ici, des fois, elle venait garder. Ma mère, elle allait garder les enfants pour que je vienne ici. Fait que ça l'a pas mal aidé. Il y avait besoin de monde autour là, pour aider. Là, ou les voisins. Il faut leur dire merci. Là, c'est des nouveaux voisins. Là, sont venus ici presque tous les jours. Ce sont pendant au moins une bonne semaine. Après que le lit soit parti, il fallait continuer, nous autres. Fait que nos voisins sont venus nous donner un méchant bon coup de main. Là. Fait que après 6 mois comme ça, là, pour conclure un petit peu, êtes-vous satisfait? Êtes-vous trouvez-vous que vous avez fait le bon move? Bien, le premier mois, là, vous, Mathieu, je me souviens, là, je pense que tu n'es pas venu toute matinée ce soir, puis on était assis, puis on attendait, tu sais, on poussait les vaches, puis là, tu t'es assis le temps qu'il y en a qui rentrent, là, tu sais, ouais. On s'en regardait, puis on se disait, hey, on voit vraiment le potentiel là, de temps qui va être libéré. Quand tout va être fini à t'installer, que les vaches vont être habituées, que, tu sais... là, on s'est regardé, on se disait, Colin, tu sais, on a tout fini, puis là, il faut attendre que les vaches à pousser soient rentrées dans le robot, sinon on serait déjà parti, là. Oui, OK, je comprends. Mais là, il faut attendre parce que le parc est plein, puis il y en avait comme 3-4 autres à pousser parce qu'on était dans le début. Dans le début. Tu
Ça fait que tu te dis, quand tout va être fini, là, finalisé, là. Fait qu'on, très tôt, on a vu le potentiel, là, très tôt, là, on s'est dit, ah, regarde pas notre choix du tout, là, on voyait déjà une amélioration dans notre qualité de vie au quotidien. Moi, je retournerais pas en arrière, là, dans le sens que, tu sais, je vois que, tu sais, c'est plus facile physiquement. Okay. Fait que pour moi, d'entrevoir de remplacer Mathieu, c'est plus réaliste, là. Très important, c'est tout. Hein. En ayant les enfants aussi. Tu sais, veux pas, faut leur faire à souper, faut leur faire manger, ces enfants-là. Puis moi, je me voyais pas être tout le temps à l'étable, puis d'amener toujours les enfants à l'étable. Tu sais, c'est important pour nous d'avoir une vie dans la maison aussi, puis de... Fait que là, en étant plus flexible dans les horaires, capable d'envoyer un ou l'autre. C'est ça, pas tout le temps la grosse gang de trois qui s'en va en même temps. Bien là, en même temps, là, tu sais, là, Mathieu, le soir, il est là pour la routine du soir avec les enfants. Tu sais, il soupe avec nous, après ça, on joue. Après ça, il donne les bains. Puis après, il s'en va à l'étable. Fait que moi, j'ai couche, tu sais, mais tu sais, il est là avant. Il soupait. Ben non, vous auriez fait de le train à 10 heures du soir, c'est comme il est. Ben, on le voyait une demi-heure, une heure au souper, puis après ça, il s'en allait, tu sais. Fait qu'il jouait, il avait pas le temps de jouer avec les enfants, de prendre du temps avec les enfants, là. Qualité de vie, c'est important. Le temps, là, maintenant, il peut participer dans la vie quotidienne des enfants. Tu sais, là, quand ils vont aller à l'école. Bien là, on va pouvoir venir plus tôt à l'étame parce que là, tu sais, à 7h15, l'autobus passe en avant. Fait que les deux, on va s'en venir à l'étame. Tu sais, au lieu d'être juste lui. Ouais. Bien là, les deux, on va s'en venir. Tu sais. Puis là, quand que les enfants vont arriver des cas, bien là, moi, je vais partir, puis lui, il va pouvoir continuer. Tu sais. Puis là, il va être là le soir à la maison. Tu seras pas obligé de repartir. Parce que c'est ça, probablement que cette routine-là va. À 6h, votre bar est fini ou arriver à 5h30, 6h, puis être là pour. C'est quelque chose qu'on faudra discuter parce qu'il y en a qui ne reviennent pas le soir. Oui. Ils font juste un petit check-up parce que le gros a été fait oui. avant. Oui, t'sais. Oui, oui. Fait que quelque chose, on va peut-être remodifier notre horaire. La flexibilité va être grande, ça va être de voir comment vous voulez la gérer. C'est ça. Au fil du temps, on va s'habituer puis on va modifier notre horaire puis on va la cadrer un peu avec les besoins des enfants aussi. De vie. C'est ça que permet le robot. Avec la traite, on ne pouvait pas. La traite. Très bon. Hey, je vous remercie beaucoup. Oui, c'est pour ça que j'avais posé ma dernière question tantôt. Vous avez pu me donner beaucoup de temps. Avec un très, très gros merci. Bonne chance dans vos prochains moves vers la biologique. Puis à la prochaine. Salut bien. Merci.